Et bonjour, bonjour. Voilà, voilà. Les rizières. Le travail des rizières. Là-bas, mon voisin, il coupe ses arbres. Voilà. Ça va lui faire du bois. Donc, c'est une période, quand il pleut, qu'on coupe les arbres, justement, pour après que ça pousse très, très bien. Puis après, ils vont revendre les arbres. Coupés, évidemment. Là, je suis derrière Banonsard. Voilà, le resort il est juste derrière, là-bas au fond. Et là, on attaque les rizières, donc de suite après. Et je me sens de mieux en mieux dans ces rizières. Et je pense que vous aussi, vous serez bien ici. Non, pourquoi je fais cette vidéo-là? C'est que vous savez très bien que Eric Thailand a toujours des idées, toujours des grandes idées, on va dire, des énormes idées. Et je me disais, et ça fait un moment que, par contre, que je dis que je vais faire des petites maisons, que je vais faire ci, je vais faire là, dans des terrains que je connais, évidemment, dans le village. Et c'est vrai que, de plus en plus, j'ai envie de remonter, on va dire comme ça, de remonter un petit resort dans les rizières. Ça serait génial. Tout le monde me dit, quoi, et ici, Eric, tu fais des petites maisons, tu fais, voilà, dans les rizières, carrément dans les rizières. Les rizières sont tout autour. Hein. Donc voilà, je voulais vous parler de ça, parce que voilà, j'ai plein d'idées en ce moment, et de plus en plus. Puis je suis vraiment sollicité par beaucoup de gens aussi. Merci à vous de m'ouvrir les yeux, on va dire. Beaucoup de gens me contactent pour monter des affaires, des choses comme ça. Donc voilà. Donc moi j'avais une idée, c'est de faire une maison, hein, une jolie maison ici, et trois petites maisons ici. Et les trois maisons serviront à faire, on va dire, pour les gens qui viendront en excursion, en séjour chez moi. Voilà. Mais je ne vous en dis pas plus. C'est des idées, je suis en train de voir tout ça là. Ça va être rapide, je pense. Après, il y en a beaucoup qui m'ont dit, Eric, j'aimerais avoir une maison dans les rizières, j'aimerais avoir ci. Comme mon ami Jean qui voudrait après par la suite s'installer en Thaïlande, ben voilà, tu vois plusieurs endroits, mon ami Lulu. Voilà. Donc là, il y a tout, hein. Il y a l'électricité, l'eau, bien sûr, c'est un puits. Hein. Je vois que là-bas, il a fait le puits. Donc voilà un petit peu, voilà, je voulais vous montrer aussi les rizières qui commencent à être très, très vertes. Voilà, et ça va être de plus en plus joli.